Bonjour, quand il fait chaud, moi j'adore les granités. Et lorsqu'ils sont à la pastèque, comment ne pas fondre? Allez, je te laisse regarder les ingrédients et on va découper cette petite pastèque pour commencer. On commence par retirer l'écorce de la pastèque. Je la coupe maintenant en morceaux et l'idée c'est de retirer les pépins. Je mets au fur et à mesure les morceaux dans le bol du blender. J'ajoute le sucre glace et le jus de citron. Et je mixe. Je verse la préparation dans un grand plat allongé pour éviter qu'il y ait une trop grosse épaisseur. Et maintenant, on part au congélateur pour au moins 3 heures, sachant qu'il va falloir venir gratter avec une fourchette fréquemment, toutes les 30 minutes environ, pour obtenir les fameuses paillettes du granité. Alors, il se peut qu'il y ait quelques plus gros morceaux, mais entre nous, ça apporte un petit peu de... Une cuillère, une paille et le tour est joué. Et voilà, le granité est prêt. Va falloir que tu me quittes maintenant parce qu'il faut absolument que je déguste cette merveille avant qu'elle ne fonde. Et je ne peux te conseiller qu'une seule chose, le faire, le déguster et te régaler. À très vite dans Recette Roulette.